le drift en France prend une expansion. On est de plus en plus, c'est de plus en plus connu. Les gens, il y a deux, trois années, quand on disait le mot drift, personne ne savait ce que c'était. Le drift, c'est quoi pour moi? Alors pour moi, c'est vraiment les sensations. C'est les sensations qu'on peut avoir dans aucun autre sport. Même en drift, hein, même en circuit, ce que j'ai pu connaître avant, c'était déjà des sensations très très sympas. D'une autre partie, c'est l'ambiance, parce que c'est vrai que sur les journées circuit, on est toujours entre amis, on en a des nouveaux qui se rajoutent, etc. On est toujours à l'ambiance bon enfant, festive le soir, etc. Des week-ends complets où on s'amuse énormément. C'est vraiment ça qui est plaisant dans le drift. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le drift. Déjà, c'est la glisse. Là, je suis en train de voir que mon fesson est en train de se faire bouffer. Il va falloir que je refasse ça là. Je le renforce ici. Ouais, alors, le drift du coup. Le drift, c'est quoi pour moi? Alors, pour moi, c'est vraiment les sensations. C'est les sensations qu'on peut avoir dans aucun autre sport. Même en drift, hein, même en circus que j'ai pu connaître avant, c'était déjà des sensations très très sympas. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus extrême. Le drift, c'est clairement bourrin. On est en permanence sur la limite. La conduite, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on commence à avoir un niveau un peu plus extrême, on roule en permanence sur la limite. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pouvoir maîtriser la limite de la conduite de la voiture, quoi. C'est vraiment ça qui me plaît le plus dans le drift, quoi. Après, moi, c'est vrai que j'en fais globalement une fois par mois. En général, je fais une sortie par mois. C'est vraiment le week-end qui permet de déstresser. Parce que quand on fait ça, il faut avoir vraiment le 100% de son attention du coup qui est entre toi et le volant. Il faut être là à 100%, donc vraiment tu oublies tout, tu ne peux rien, penser à rien d'autre. Tu es obligé de décompresser vraiment pour te concentrer à fond sur ce que tu fais. Parce que la moindre erreur du coup, bah forcément, tu tapes, tu touches, tu abîmes un truc. Donc tu as envie que ça passe bien comme ça. Donc il faut vraiment être là à 100%, quoi. Voilà, que dire de plus, je sais pas trop. Mm-hmm.
Maintenant il va se fermer. Ah ah. On est qu'à nous pour rien.